Bonjour à vous tous et toutes, cela va certainement vous étonner. Dans ce samedi en plus, on va parler de la mort, mais de façon positive, par le biais d'un métier et d'une formation. Une trentaine de jeunes cette année sont en effet inscrits à une formation qui sort de l'ordinaire à l'IFAPME de Namur, une formation en agent funéraire. Et vous allez l'entendre, les motivations des apprenants sont multiples. Préparer un cercueil, c'est l'une des tâches qu'effectue Ludovic dans le cadre de son stage. Il suit une formation pour devenir agent de pompe funèbre. C'est très diversifié comme métier. Donc il y a les réceptions, il y a tout ce qui est monuments funéraires, il y a les enterrements, il y a les mises en bière. Et c'est ça, c'est un métier très, très intéressant. Nous retrouvons Ludovic à l'IFAPME de Salzine en cours de jour. Ils sont une trentaine à suivre cette formation, quelque peu singulière. Dans la classe, certains exerçaient déjà un métier en contact avec la mort. Je travaille en réanimation et aux urgences et j'ai toujours eu un attrait pour les défunts, le fait de les rendre sous le meilleur jour à leur famille. Et donc voilà, j'ai toujours été attirée par ça. Et puis j'ai eu l'occasion de suivre un entrepreneur de pompes funèbres et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Pour ma part, moi j'ai été brancardier, hein, donc on s'occupait déjà de la mortuaire à Sainte-Élisabeth, mais pour moi, ça ne remplissait pas à tout. En fait, il y avait un manque de travail non fini. Que je retrouve justement grâce à cette formation d'entrepreneur en pompe funèbre. Les motivations ont l'air assez nobles pour la plupart, hein, donc c'est vraiment le côté social, aider les familles endeuillées. On est bien loin de simplement bien gagner sa vie, qui est l'image un petit peu des pompes funèbres. Betty, elle, travaille dans un commerce. Elle a décidé de se lancer dans ce métier, non sans certaines appréhensions. De me retrouver seule avec un défunt, ça c'est vraiment ce que j'appréhende beaucoup. Donc il y a toujours mon maître de stage derrière moi où j'ai toujours quelqu'un près de moi, mais c'est vrai que me retrouver seule dans une pièce avec un défunt, voilà. Quelques appréhensions par rapport à cette formation ? Non, peut-être l'aspect commercial qui est sur le côté. Par rapport à ma formation précédente où j'étais au service de la personne, il n'y avait pas cet aspect financier derrière, en tout cas pas directement, ça change. Voilà. Cette formation en agent funéraire dure un an, les cours sont variés, vous apprendrez même à maîtriser le nœud de cravate. Je leur donne des cours d'hygiène et de prise en charge du défunt, donc en gros c'est la présentation du défunt, comment effectuer une toilette mortuaire correctement. D'où le cours de cravate, de nœud de cravate ce matin ? Voilà, donc faire un nœud de cravate c'est un minimum déjà pour l'agent funéraire lui-même, pour lui, pour sa tenue de cérémonie, mais également pour les défunts, lorsqu'une famille donne une cravate, il doit être capable de faire un nœud de cravate correct sur le défunt directement. Il y a d'autres formateurs qui leur donneront des cours où ils apprendront à porter un cercueil, fermer un cercueil, capitonner le cercueil, des cours de législation, donc ça c'est une grosse partie, hein. La législation funéraire est assez complexe. Une fois cette formation terminée, restera sans doute le plus difficile, côtoyer la mort au quotidien. L'Athénée royal Jean Rey de Couvain prend des airs de Poudlard. Depuis 3 semaines, les élèves de 3e année et leurs professeurs testent une nouvelle pédagogie inspirée des aventures d'Harry Potter. Pas de baguette magique ou de robe de sorcier, et pourtant les élèves de 3e de l'Athénée royal Jean Rey de Couvain testent la pédagogie Poudlard. Inspirée de l'univers d'Harry Potter, cette méthode consiste à répartir les élèves dans 4 maisons distinctes. La pédagogie Poudlard s'applique à tous les professeurs qui prennent part au projet, avec des points positifs et des points négatifs pour les différentes maisons. Leurs bonnes actions peuvent leur rapporter jusqu'à 10 points, mais une retenue peut leur en faire perdre tout autant. Des préfets ont donc été désignés pour encadrer les membres de chaque maison. J'ai été choisie préfète parce que je suis quelqu'un qui rassemble les gens en général. J'ai un esprit ouvert et je suis souvent avec des groupes différents. Je suis responsable de tous les gens qui font partie de ma maison. Donc je les motive à faire leur prépa pour gagner des points ou à se rattraper s'ils en perdent ou des choses comme ça. C'est d'être responsable de son groupe. Et de les aider dans la situation. Et après 3 semaines de tests, la pédagogie porte déjà ses fruits. Le principe de solidarité est vraiment développé et c'est un peu étonnant, mais c'est très très positif. On s'est lié plus d'amitié. Enfin, j'étais pas spécialement amie avec tous ceux qui étaient dans ma maison. Je les ai choisis pour ce qu'ils étaient parce que je sais que je peux leur faire confiance. On fait attention aux autres parce qu'il y a toujours un peu un plus faible dans le groupe.
et ça aide beaucoup. Ce projet rassemble donc les élèves. Pourtant, le premier tome des aventures d'Harry Potter est sorti en 1997, bien avant leur naissance. Ils adorent Harry Potter. C'est vrai que ça fait quelques années que c'est sorti, mais ils sont baignés dedans depuis qu'ils sont tout petits et donc ils connaissent vraiment. Ma sœur en parle beaucoup parce qu'elle est super fan. Et du coup, j'écoutais ce qu'elle disait, elle lit les livres, elle m'explique, elle me raconte ce que j'ai pas compris. Et du coup, j'ai commencé à apprécier. Dès le lancement du projet, la quasi-totalité des élèves a donc été motivée. Certains professeurs en ont même profité pour modifier quelque peu leurs cours. Je vais probablement intégrer des exemples qui viendront d'Harry Potter. Mais bon, ce sera souvent sous forme de compréhension, soit à l'audition, plus facilement à la lecture, parce que sur Internet, on retrouve beaucoup, beaucoup d'activités sur ce thème-là. Cette nouvelle pédagogie est rendue possible cette année par une décision de l'école. N'étant pas obligatoire, elle a choisi d'annuler les examens de décembre pour les 3e générales. Les apprentis sorciers profiteront donc de cette période pour visiter les studios du film lors d'un voyage scolaire à Londres. Les transports scolaires namurois proposent des livres aux enfants le temps du trajet. Ceux de Ciney viennent d'être fournis en livres pour vaincre l'ennui quand les trajets sont plutôt longs. Ciney, lieu de correspondance entre plusieurs cars scolaires. Le TEC a 15 minutes pour équiper tous les transports d'une boîte à livres avant le départ. Une fois que chacun est dans son car et le calme revenu, les livres servent à vaincre l'ennui des trajets parfois longs. Donc pour le moment, on a distribué un bac par car avec des livres de toutes sortes, des petits romans, des bandes dessinées, des magazines, un peu de tout, des livres pour les tout-petits. Donc le but, c'est d'occuper les élèves pendant les trajets qui sont parfois longs pour eux et éprouvants. L'opération s'étend sur toute la province de Namur. C'est la seule où le TEC prévoit de distribuer des livres pour l'instant. Certains jeunes trouvent l'initiative intéressante. C'est beaucoup mieux pour ceux qui n'ont pas d'occupation, quand même, et ceux qui s'ennuient. Parce que ça peut aider, vu qu'on est dans une école spécialisée toutes les deux, et ça peut nous aider. Ce sont les accompagnateurs de car qui expliquent aux enfants que les livres sont disponibles et régulièrement changés. Mais en fait, en correspondance, ici, on va proposer les livres pour ceux qui le souhaitent. Et alors, ils viendront choisir avant, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer en cours de route. Donc, ils viendront choisir leur bouquin, comme ils l'ont fait aujourd'hui. L'idée de mettre des livres à disposition des enfants vient d'un chauffeur du TEC. Il a fallu 2 ans pour que le projet soit sur les rails. C'est parti d'initiative d'un chauffeur du Brabant qui a donné des livres dans son car. Donc on a trouvé cette idée géniale et on a décidé d'étendre ça à toute la province de Namur, donc distribuer des bacs de livres dans tous les cars en province de Namur. 4000 ouvrages ont été récoltés pour être proposés dans les cars scolaires. La province de Namur projette d'installer une unité de biométhanisation sur le site de l'EPASC. Alimentée par des agriculteurs, elle pourrait servir à chauffer l'école, voire certains bâtiments communaux. Le terrain n'est pas encore tout à fait déterminé, mais l'unité de biométhanisation devrait dans tous les cas prendre place aux abords du site de l'EPASC. La biométhanisation permet de produire du gaz et de l'électricité, et donc par exemple de se chauffer à partir de biomasse, comme du lisier, du fumier ou bien d'autres choses. Ça peut être donc notamment des sous-productions agricoles, donc par exemple du maïs qui n'est pas propre à la consommation, du miscanthus et j'en passe. Et donc on apporte de la biomasse et ça, par un procédé de fermentation, si vous voulez, il y a dégagement de gaz. Et donc ce gaz, ce méthane, on va l'utiliser pour chauffer ou pour produire de l'électricité. La biomasse serait fournie par les agriculteurs dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Une étude de faisabilité sera lancée en 2020 sur base d'un ancien projet abandonné pour raisons économiques à Biron. Ça va d'abord être une étude de faisabilité qui va préciser le dimensionnement de l'unité parce qu'on a toute une série de bâtiments qu'on pourrait chauffer. La question, c'est de savoir... pour chauffer jusqu'à l'OPA qui est ici en face ou jusqu'au bâtiment du centre culturel de Ciney, eh bien, il faudrait donc une unité qui soit plus ou moins grande. Pour l'école, l'apport n'est pas uniquement énergétique. L'unité devrait permettre aux élèves d'apprendre des techniques de biométhanisation. Pour les agriculteurs partenaires, c'est aussi une occasion de montrer leur implication dans la transition écologique. Les agriculteurs aujourd'hui sont bien conscients des enjeux de société et veulent prendre leur part. Et donc la biométhanisation doit vraiment être dans le principe de
tout ce qui est économie circulaire, il me semble vraiment primordial que nos jeunes qui étudient ici et qui seront les futurs agriculteurs de demain ou rentreront dans des structures d'accompagnement de l'agriculture soient bien au fait des choses et puissent avoir ici un outil qui leur permette de comprendre concrètement ce qu'est la biométhanisation. La province de Namur a dégagé un budget de 2,8 millions d'euros pour l'unité en elle-même et pour le réseau de chaleur qui l'accompagne. C'est le rush en ce moment chez les producteurs de sapins de Noël. Parmi les membres de l'Union ardennaise des pépiniéristes, 60% avaient signé la charte durable. Après deux printemps sans utiliser de produits phyto, ces producteurs peuvent pour la première fois apposer le label éco-responsable sur leur sapin de Noël. Chez Jonathan Rigaud, cette saison, 450 000 sapins de Noël entreront puis sortiront des installations à l'Anglier. Parmi eux, 300 000 environ porteront le label éco-responsable reconnaissable ici. C'est le petit hexagone apposé sur une étiquette dont la couleur varie selon la qualité du sapin, sa taille et selon les désirs du client. Le véritable éco-responsable sur un sapin dont on est sûr de la provenance. L'utilisation des pastilles éco-responsables est une première. Un peu plus d'un an après la signature par les producteurs membres de l'UAP d'une charte durable avec le DNF et l'administration wallonne. Il y avait une carence de deux années où on n'utilisait pas d'intrants chimiques, d'herbicides. Et donc c'est la première année où elle peut être utilisée sur les étiquettes dans le commerce. Sur le travail dans les parcelles, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? En fait, c'est un mode de culture qui est différent. C'est-à-dire qu'on va remplacer les pulvérisateurs, on va remplacer les mottes et on va travailler mécaniquement plus ou manuellement plus. Donc on a plus de main-d'œuvre et moins d'intrants chimiques. In fine, il y a un léger surcoût qu'on n'a pas encore répercuté sur le consommateur parce qu'on veut aussi séduire le consommateur avec ce produit-là. Mais je pense que quand on aura un maximum de gens qui auront adhéré, on arrivera à équilibrer les coûts. Est-ce que vous avez des clients, des administrations qui ont particulièrement recherché le label ? Alors oui, cette année, on le voit, c'est la première année d'ailleurs où dans les cahiers des charges des communes, on nous demande également un listing de nos labels éco-responsables ou autres, que ce soit PEFC, MPS, etc. Toute forme de label qui sert justement à démontrer aux consommateurs que la culture est différenciée. À l'UAP, l'Union ardennaise des pépiniéristes, une quarantaine de membres sur 64 a signé la charte durable. Les non-signataires ne sont pas hors la loi, ils continuent de travailler comme avant et rejoindront le mouvement s'ils le désirent. Le label, il est volontaire, c'est une décision volontaire. Mais aucun des producteurs qui est membre de l'UAP n'est en infraction. Les gens produisent avec les règles et les normes en vigueur. Certains veulent aller plus loin dans leur choix de se différencier. C'est des convictions personnelles et c'est très bien. D'autres n'ont pas encore embrayé, mais je suis intimement convaincu qu'avec le temps, ces gens-là vont suivre également parce que la génération qui est celle qu'on a actuellement dans le sapin de Noël, eh bien, elle est différente, elle a envie d'autre chose. Et je pense que ça va se faire tout naturellement. Chez ce pépiniériste, deux tiers des sapins vendus sont donc éco-responsables. Jonathan Rigaud espère tendre au 100% dans les 3 à 4 années à venir. On reste toujours dans le sud et on se rend au Luxembourg, au centre commercial Knauf, situé à Pommerloch, à quelques kilomètres de Bastogne, pour découvrir un véhicule révolutionnaire, une sorte de minibus. Il est 100% électrique, 100% autonome et se mêle aussi aux autres usagers de la route. Voici la K-Mobile, un véhicule électrique et autonome qui permet depuis peu aux clients de ce centre commercial Grand-Ducal de passer d'un côté à l'autre du site en toute sécurité. À l'intérieur, aucun volant ni pédale, l'engin se déplace seul grâce à une multitude de radars et autres caméras. Donc on utilise des informations satellites via une antenne GNSS, on utilise de l'information de capteurs LIDAR, on utilise également l'information de nos caméras, d'une centrale inertielle et d'un système odométrique dans les roues du véhicule. Donc voilà, une multitude de capteurs de haute technologie pour avoir une information très précise et un véhicule qui est capable de gérer des situations complexes de trafic. Comme on peut le voir sur cet écran de contrôle, on se trouve à bord d'un petit bijou de technologie. À l'heure actuelle, il est l'un des rares à pouvoir circuler sur la voie publique au milieu du trafic. Au Luxembourg, il s'agit du quatrième modèle de ce genre à être mis en service par l'un des plus gros opérateurs de mobilité du pays. Aujourd'hui, ces quatre véhicules, dont les trois premiers ont été déployés il y a une bonne année. Nous avons donc beaucoup d'expérience déjà sur ce temps avec les trois véhicules plus maintenant au Knauf.
Il va donc donner des solutions en toute sécurité aux passagers à bord, réduire les accidents, réduire les petits accrochages. Voilà, ici, c'est vraiment une solution de mobilité vers le futur, partagée et connectée. Pour l'instant et pour une période d'une année au moins, un opérateur accompagnateur est présent dans la navette en permanence. Le véhicule est en effet autonome pour un trajet bien précis, mais lorsqu'un obstacle se met en travers de son chemin, l'homme doit prendre la main. Une situation amenée à changer dans le futur puisque l'engin est constamment mis à jour. Le logiciel de conduite en fait bénéficie de l'expérience de tous les véhicules qui circulent dans le monde, donc des 130 navettes autonomes Navia qui sont en circulation et qui partagent leurs informations et qui nous permettent de faire évoluer le logiciel. Donc ici, on a par exemple déjà amené des améliorations au logiciel de conduite, notamment pour la gestion du rond-point assez complexe qu'on a mentionné avant. Et donc le véhicule sera effectivement amené à améliorer son comportement au fur et à mesure du projet et de l'opération. Pour le centre commercial, le choix de ce type de véhicule pour assurer le transport de ses clients est en quelque sorte un investissement dans l'image de marque. On a voulu, dans un certain sens, innover le service aux clients dans les centres commerciaux et aussi rester en phase avec les nouvelles possibilités de mobilité qui se présentent aujourd'hui à nous. Et avec deux pôles commerciaux et une nationale entre ces deux pôles, c'était le moyen idéal pour nous de mettre en place ce service mobilité pour nos clients et pour nos pôles commerciaux. Depuis sa mise en route il y a un peu moins d'un mois, le service attire chaque week-end entre 300 et 400 utilisateurs. Un chiffre qui risque d'augmenter sensiblement à l'approche des fêtes de fin d'année. Si besoin, la direction du centre commercial se dit déjà prête à voir débarquer une deuxième navette autonome. Sylvain est un jeune dinantais atteint d'autisme dont la passion est la course à pied, mais quand on est différent, la pratique d'un sport n'est pas facile tous les jours. Sylvain est autiste et à 23 ans, le jeune homme déborde d'énergie. Sur cette piste d'athlétisme, il s'entraîne plus d'une fois par semaine, une activité primordiale pour ce garçon hyperactif au quotidien. Quand il se défoule, il est beaucoup plus joyeux. Ou sinon, ben voilà, c'est comme un lion en cage. T'as soif ? Un, deux. Vas-y. Un, deux. J'essaye toujours de le rendre indépendant et autonome dans ce qu'il fait, mais l'exemple reste toujours la meilleure façon de communiquer avec Sylvain. C'est pas dire des choses abstraites, genre du cours 100 mètres. Non, il faut mettre un cône de début, un cône de fin pour que ça devienne du concret et qu'il visualise ce qu'il doit faire plutôt que l'entendre. Sylvain est coaché par Pascal depuis près d'un an. Ses progrès sont palpables. La première fois, j'étais rentrée à la maison en disant « Mon Dieu, c'est pas faire un cloche-pied, c'est pas sauter à pieds joints, avant, derrière, gauche, droite, et maintenant c'est bien acquis, il fait tout seul, ça je ne dois plus montrer. » Tous les parents d'enfants différents, voilà, mais ils sont prêts à affronter le regard des autres, ils sont prêts à apprendre à leur enfant aussi à affronter ce regard-là. Je fais un peu comme tous les parents. Ici, c'est parce qu'il aime le sport, mais s'il aimait autre chose que le sport, on irait dans d'autres directions. Mais pour en arriver là, cela a été un véritable parcours du combattant pour Françoise. Elle et son fils ont même été recalés par un club d'athlétisme. C'était très compliqué parce que Sylvain est arrivé tout joyeux, mais en bondissant, en étant un petit peu tonitruant. Il y avait beaucoup de monde et on s'est fait refouler. Très bien. L'autre là-bas. Déplacement latéral. Lève les fesses. Allez, compte. Un enfant sur 150 né avec des troubles autistiques. Pour la maman de Sylvain, notre pays est à la traîne en matière d'inclusion. La Belgique a 30 ans de retard sur d'autres pays d'Europe comme l'Italie, comme les pays scandinaves, comme le Royaume-Uni, où les enfants, dès qu'ils entrent en première primaire, ils ont un auxiliaire d'éducation, un auxiliaire scolaire avec eux. Et donc, ils sont mis dans le bain avec les autres enfants. Le chat blanc, oui. Debout le tabouret. Il est debout sur le tabouret. Il y a un manque de formation au niveau de l'autisme, il y a aussi un certain manque de moyens, il faut le dire, que ce soit les personnes formées ou alors les lieux qui accueillent les personnes autistes. Maintenant, je pense que voilà, l'inclusion, c'est une valeur qui fait partie de notre société, on en parle de plus en plus. Et donc les personnes ont moins peur, je pense, de l'autisme, des personnes autistes. Oui, très bien, super. On va chercher ce personnage-là. La pratique d'un sport est bénéfique pour les autistes à de nombreux égards.
Dans l'autisme, on a quand même souvent des difficultés au niveau des interactions sociales. Et plus on va favoriser les lieux et les personnes dans lesquelles Sylvain va pouvoir s'épanouir, et plus justement ça va devenir des situations qui sont normales pour lui, et plus il va pouvoir aller dans l'interaction justement. 1, 2. Très bien, un grand pas. 1, 2. Mon message, c'est que la société souffre de plus en plus et que des jeunes différents puissent trouver leur épanouissement, ne soient pas mis à côté. Et je vous propose de nous quitter en chanson. Baumel se lève, c'est le titre d'un hymne écrit et chanté par des enfants du quartier de Baumel à Namur. Ils mettent ainsi en évidence les richesses de leur quartier et c'est le fruit d'un long travail mené par le service AMO Passage. Et je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour et même chaîne. Au revoir. Que me deixe ser trazer na bomele. Me de bomele.